Je m'appelle Maria Bach, je suis née à Vienne en 1896. J'ai passé mon enfance à la campagne près de Baden et j'ai toujours voulu retranscrire la nature en musique. Mes sœurs et moi avons découvert la musique grâce à nos parents mélomanes qui invitaient Hugo Wolf et les Korngold à nous rendre visite. Mais j'apprends véritablement la composition à l'Académie de musique de Vienne avec Joseph Marx. Je commence à écrire mes premiers préludes en 1914, puis tout s'accélère. Après la guerre, je compose des Lieder, mon quintet Volga en 1928 et mon quintet à cordes en 1936. Mes œuvres sont publiées chez l'éditeur Doblinger. Malheureusement, suite au décès de mon père en 1927, j'ai de grandes difficultés financières. Les choses ne s'arrangent pas après la Seconde Guerre mondiale. On trouve la musique tonale que j'écris dépassée. J'ai tout de même une consolation auprès du peintre Arturo Ciacelli que j'épouserai en 1951. Je me découvre un talent pour la peinture. Mais je continuerai toujours à revenir à la composition, mon premier amour. Je laisserai derrière moi plus de 400 œuvres.